Ok, rebonsoir à tout le monde qui branche Radio Nouvelle Vision Chrétienne. J'aime te dire aujourd'hui, on a parlé de fibromes utérins qui sont très importants et que en pile monde, en pile les filles, le plus souvent, ils ont expérimenté, on dit filles, parce que dans organe que maladie ça a développé, c'est seulement filles qui gagnent. C'est dans matrice là, j'en filles qu'on remet d'île, ou bien d'acadie et dans utérus là, c'est comme ça thème là dit en français. C'est de ça nous allons parler aujourd'hui, hein? Fibrome utérin. Qui ça est fibrome utérin? Et par définition, nous avons dit que un fibrome utérin, c'est un tumeur bénigne. Nous dit tumeur bénigne parce que il n'est pas cancer et que il pas jamais vienne tourner cancer. Bénigne, c'est-à-dire il gain droit ou gain droit le gros mais il n'est pas cancer. Li bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, li développé dans surface ou bien à l'intérieur de tissu musculaire lisse, tissu fibreux de l'utérus. Nous on parler des tissus et lisse ou bien fibreux de l'utérus, eh bien ça pas dépend de qui côté li sort li lever, soit dans tissu lisse ou bien tissu fibreux, eh bien li pral gagner plusieurs noms que au bali. OK, yo capable reler li et myome tout coup. Laisse asil nan tissu musculaire yo et ou bien yo capable reler le leiomyome s'il nan tissu qui gen muscle la donne et puis les lisse tout ou bien yo ka reler le fibromyome ou bien fibrome jan moun yo kon reler la. Et c'est-à-dire et laisse a li nan tissu fibreux. Et que nous dit que affecte maladie ça lui surtout affecté monde qui des facteurs qui favorisent c'est l'hérédité. L'hérédité dans le sens que si ou un monde proche qui t'a gagné fibrome là, là m'a parlé de mesdames yo, maman et on ma tante un monde qui proche ou te gagne et ben gain possibilité pour que ou même tout ou vienne développer maladie ça parce que l'hérédité li joue en pile la donne ou bien des monde qui gagne des désordres hormonal, c'est-à-dire en plus de l'hérédité aussi ou gagne un désordre hormonal li capable fait tout ou vienne développer et maladie ça n'a parlé de li jodi hein, qui c'est fibrome. Et si nous avons un rappel anatomique, avant nous entrer dans la maladie, si nous avons parlé de anatomie, organe ça, nous allons parler. On a dit que si vous regardez, si vous mettez utérus sur Google, vous pouvez que le gon forme tête bœuf. Et Jean, tête bœuf, vous avez fait là, c'est presque comme ça, et li fait, et que li gen la dani ovaire qui tout près ça c'est des organes annexes, c'est-à-dire c'est deux organes qui tout près qui aide que même fonctionnement pour faire petit ou bien l'autre bagaille c'est il les utiliser pour que activité ça au fait gagner ovaire qui là gagner trompe de Fallopio ou bien les trompe de trompe utérine on comprend yo même tout yo là yo tout près et que en plus de yo nous gagner et utérus là proprement dit qui lui-même tout et c'est de lui n'a parlé aujourd'hui et que lui divisé en plusieurs parties. OK, nous gagnons col de l'utérus, nous gagnons corps utérus là même, nous gagnons fond de l'utérus, tout ça yo et c'est eux même qui pral permettre ensemble pour que tout processus là en fait non seulement pour petit développer en dedans et puis tout si gagne maladie qui va venir, c'est de là n'a pas parlé. Si une frontière avancée pour une fois que nous avons dit que organe ça nous avons dit c'est lui-même qui organe reproducteur principal chez la femme et en plus de ça il est destiné pour recevoir ovule là que les fines fécondées après pour qu'à assurer que des petites là développées en dans utérus là il dit que nous est situé au niveau du petit bassin en arrière de la vessie et en avant du rectum. En arrière de la vessie, c'est ça nous les blade pipien et li derrière blade pipien, c'est-à-dire blade pipien devant, c'est la frontière anatomie et puis on dit tout et li gagnen li devant rectum. Rectum c'est on a partie dans système
et yon nan pati nan gros intestin an, ça nous rele gros trip lan li se yon nan pati la dan c'est ça fait les que bien que nous avons rêvé là tout à l'heure les que gen ti problème et nous kon wè nous vinn gen constipation et que yo di nous li situé et m'te bay situation déjà côté le situé li gen forme triangulaire en forme triangulaire d'une dizaine de centimètres de haut et 5 centimètres de large. Nous gagnons col de l'utérus là, j'aime te dire c'est partie qui est inférieure là, c'est partie qui est en bas, j'aime dire inférieure et puis il a le débouché sous vagin, c'est-à-dire utérus là lui-même là le débouché sous vagin, col de l'utérus là et où il paraît en dedans vagin surtout les médecins fait ont touché vaginal. Et que j'aime te dire m'te bail ça déjà corps utérus là c'est lui-même qui pi gros et que c'est lui-même qui destiné tout pour le recevoir bébé en ovule fécondaire et que le relié par ses extrémités supérieures droite et gauche au trompe utérine. Ça m'te parlé déjà, c'est-à-dire li gon forme de en forme de tête bœuf et que c'est forme tête bœuf là nous wè, c'est au même qui se trompe et c'est trompio. Et c'est eux même tout qui poté on te ka dit trompe au cerveau couloir c'est eux même qui prend ovule là l'elfine fait gonder et pour que li vini et vin en dedans utérus là saute dans ouvert avec li vin avec dans utérus là et que nous t'a dit paroi utérine là li constitué de trois couches il y a trois couches et dans paroi utérine là nous gagnons trois couches c'est la muqueuse ou bien nous carré le tout court et endomètre et que endomètre là c'est lui-même qui pral dégrader les que mesdames yo wè règles c'est-à-dire c'est un processus normal les que ou wè règles et que pour wè règles c'est les que ou pas enceinte et que c'est les ça nous pral wè pral gon dégradation non pas dans muqueuse utérine là qui pral fait que et nous wè règles il y a trois couches j'aime te dire il y a couche intermédiaire là tout ou bien yo le myomètre et puis couche séreuse là qui se couche externe de l'utérine. C'est-à-dire si n'a sorti en dedans ou al dehors, n'a prend endomètre là avant qui se couche qui pian dedans, n'a prend et séreuse là qui se couche intermédiaire là qui se n'a noue plutôt myomètre là qui sont couche musculaire qui se couche intermédiaire là et puis nous gain séreuse là qui se couche externe là et c'est couche externe de l'utérus. Si nous avons parlé d'épidémiologie maladie, nous avons dit que li affecte mesdames en 30 qui gen en 30 et 50 ans, on dit plutôt li affecte plus mesdames qui en âge de procréer, on pas dit 30 et 50 ans parce qu'on gen moun ki pi jeune qui gagnent, mais le plus souvent c'est moun qui dépasse qui en 30 et 50 ans, c'est moun sa ou nous konwe que qui parler de maladie ça plus et que gen plus moun nan race noire qui gagnent et que yo ta même fait nous connaît gain 50% femmes et de race noire qui concernées par et maladie ça et que nous gain un pourcentage élevé dans pays sous-développé yo c'est-à-dire si ça fait maladie ça très intéressé nous comme haïtiens parce que gain un gros pourcentage et dans pays sous-développé yo et que nous même en Haïti nous fait partie et liste de pays ça yo et qui souffri maladie ça que n'a pas les jodien là qui c'est du fibrome utérin et que yo dit nous tous c'est première cause de mal de c'est première cause qui a fait que on monde qui pourquoi fait ménopause nous connaît ménopause et son processus qui commencé entre 45 et 55 ans yo dit que c'est une nan gros cause qui a fait que mon nan fait hystérectomie. Hystérectomie agenda de nom c'est là que soit mon nan et te gain un problème ou maladie quelconque qui fait que yo retiré et matrice li yo retiré utérus là ou bien en partie la donne c'est ça qui hystérectomie et si nous entrer dans classification maladie ça classification de fibrome et utérin nous t'a ka dit que et pour classifier les pour faire classification gagnent plusieurs bagailles pour prendre cause yon là dedans yo et yon là dedans yo nous t'a dit que
et selon emplacement que fait fibrome là hein, ou capable distinguer trois types. Il y a trois types que nous avons distingués selon emplacement, c'est-à-dire selon côté que les placés. Il y a trois noms qui sont capables de gagner. Même Jean l'aime dit tout à l'heure, ça dépend de qui zone ni placé gagner non que yo bali gagner non yo bali comme ça tout selon emplacement maladie et eh bien gagner façon que yo capable reler li li capable intramuro ta l'aime va l'expliquer nous qui ça qui dans qui zone qui intramuro li capable intramuro li capable sous séreux comme ça tout li capable sous muqueux mais seulement ça me besoin pour nous kembe dans tête nous connait c'est que intramuro yo c'est eux même qui pi c'est eux-mêmes qui au cas joignent plus souvent ou joignent plus souvent plutôt et que yo développé laisse ça yo développé à l'intérieur des muscles utérins et que yo ka abouti à formation d'une petite bosse au niveau de la paroi de l'utérus et c'est-à-dire eux-mêmes yo situé yo dans muscles utérins et que yo capable vinn même Jean li dit une petite bosse comme ça tout yo capable vinn gros ça dépend de et non seulement quantité temps et puis quantité hormones et puis comment nous enrichir ou bien nous bien nourrir fibromes yo parce que grand pile bagaille nous fait c'est nourrir nous nourrir fibromes yo sans que nous pas rendre compte. OK et on t'a dit gain l'autre qui pire que nous pas en pile plus rarement donc a dit c'est fibrome sous ce yo même yo dit que nous joignons plus rarement et sous ce yo même yo développé dans cavité pelvienne et que yo formé d'une saillie à la surface de l'utérus yo même c'est dans pelvis là même dans cavité pelvienne là yo commencé et après yo vinn sous utérus là. Et puis ça qui exceptionnel, nous dit exceptionnel parce que vraiment pas gain pile et cas comme ça, c'est sous muqueux dit occuper cavité utérine et grossisse à l'intérieur de l'utérus. C'est ça aussi dans même yo commencé et que yo vinn et grossi en dans utérus. C'est-à-dire ça yo c'est des cas qui pas fréquent du tout, c'est pas facile nous ouais que vinn gagner et type de fibrome ça yo. OK, konya nous fin parler de classification hein? En avancé nous t'a dit que taille et fibrome yo ka gagner son bagage extraordinaire et ou capable fibrome yo tellement petit c'est dans microscope yo wel comme ça tout yo ka tellement gros au point que on mon wo li penser c'est enceinte ou enceinte et que ou gen pour accoucher très bientôt parce que ventre très gros. C'est pour montrer nous qui gens sont bail qui très compliqué, li ka tellement petit au point que on pas même wèl ou pas rendre compte de ça. Comme ça tout le cas tellement gros au point que yo pense c'est accoucher ou pas l'accoucher, même gens avec quantité et yo kayé tout. Ou capable ou gen un seul et que le tout petit comme ça tout cas tellement gen en pile et que ou pas ka rendre compte de quantité de fibromes qu'on capable gagner dans nan utérus lan ou bien dans matrice lan jan que nous-mêmes et mesdames yo nous kon dil. Et m'ap continuer et j'aime te dire là facteur de risque yo qui ça qui ka fait que on moun vinn gagner et vinn gagner fibromes nan facteur de risque yo et nous gagne l'âge et nous dit l'âge parce que t'as l'air pas oublié m'te dit et de l'âge à partir de 30 ans et mais c'est pas un facteur qui n'ta ka dit de bougé 30 ans obligé gagne fibrome non c'est pas ça m'dit mais nous ka rentrer et yon nan facteur parce que yo mette là-dedans yo et puis nous gagne hérédité ça m'te parler de li. Et hérédité est très important. Li très important au point que ou kon wè gen yon famille et que wè tout moun yo net a plein de même maladie hein, et que ça pa gen pou wè seulement avec fibrome. En pile maladie et ou kon wè que l'hérédité li primé surtout dans maladie chronique yo, si n'ta parler de tension, n'ta parler de sucre. OK. Nou wè
et ça yo en pile fois qu'on gagne des monde qui expérimenté. OK. Autre chose, nous gagnons surpoids. Surpoids sont l'autre et facteur encore qui très important. Bon, moi m'a demandé est-ce que gagne un bagage que en pile poids et gagne la donne qui bon parce que presque toute maladie yo en pile maladie yo les que moun yo gagne pile poids et li influencer sous li et que en pile fois c'est en pile poids même qui qu'on fait moun yo vinn malade. C'est-à-dire li très très important pour que nous gérer poids nous parce que en pile poids tout ka fait on moun vinn gagner ça nous relé fibrome là. Et puis nous gagnons et m'te dit surpoids non seulement surpoids et puis l'obésité tout obésité c'est là que mon a tellement gros au point que li vinn tourner pour lui en maladie. OK. Et en plus de ça nous gagnons race noire pas oublier dans commencement émission m'te dit nous que la race noire li et m'ta ka dit gagne 50% dans mesdames yo dans race noire là qui gagne possibilité pour que yo ta vinn souffrir maladie ça que n'a pas les jodi an qui c'est et fibrome et utérin ou bien et fibrome dans matrice jan que mesdames yo qu'on a dit. Et puis nous gagnons si moun n'a pas fait petite du tout, si moun n'a malheureusement pas fait petite du tout, ça capable faire moun n'a vinn gagner et pas oublier c'est n'a parlé des facteurs yo, facteurs de risque yo. Si moun n'a pas fait petite, ça ka vinn faire que moun n'a vinn gagner et maladie ça. Et puis en plus de ça nous gagnons tout estrogen progestatif et si par exemple mon nan t'a fait planine ou bien toujours prend hormone pas oublier je dis un mot du jour non c'était hormone s'il t'a prend planine et que il fait en pile temps à faire ça tout c'est li gon possibilité tout pour que li est capable vinn gagner vinn faire maladie ça et ça fait li toujours important pour que on les nous prend planine yo pour que nous wè un médecin nous fait des examens mon konn wè seulement pour ba mon planine en Haïti seulement mon n'a pas arrêté puis contrôler tension les puis bal planine ou bien yo contrôler tension li yo garder s'il pas enceinte et puis bal planine ça seulement pas suffit pour que on mon ta fait et t'a fait planine gain vraiment bon examen pour nous ta bal faire pour nous wè est-ce que il est pas important pour que yo ta suivre li avant et nous ta bali planine yo m'a parlé là d'un bail qui très important et que bon malheureusement c'est pratique là ça en Haïti m'pa konnen si tout côté en Haïti yo fait le comme ça mais nan pile l'hôpital moi gain chance et wè moi c'est comme ça et c'est juste mon aller yo contrôler yo contrôler yo garder s'il pas enceinte yo contrôler tension les puis bon et yo balil tant que pas gain on travail préalable qui fait pour que ça fait en plus de ça nous gain habitude alimentaire yo pas oublier t'aller m'te parler de surpoids ou bien obésité c'est-à-dire li important et si et nous manger pis sanitaire pour que nous éviter des maladies nous pas gain. Et en plus de ça, qu'on y a en parler de sinak symptômes, comment que si on moun fait maladie ça ou capable sentir. Sinak symptômes maladie hein, dans majorité cas fibrome utérus yo et nous en pile fois pas gen sin pas gen symptômes. Moun n'a pas connait si li te fait maladie en pile cas. C'est les moun nan al wè médecin hein, nan cas que li te li fait yon check-up. Et puis l'elle al fait examen yo bal par exemple nan ka check-up nous gagne un bon examen nous ka bay fait et la dan sonographie le plus souvent c'est on la dan yo c'est le ou bay mon enfant sonographie et gynécologique c'est là ça n'a pour que gagne des fibromes et gagne des petits fibromes c'est là ça tout gagne les qu'on ouais des kystes ovariens c'est là ça n'a pour que yo présent et que moun nan pa konnen s'il te gagne. Vous comprenez? En pile fois, c'est pas gain douleur, pas gain signe avec symptôme, c'est ça qui fait que moun yo konn pa konnen est-ce que
yo fait maladie. OK? C'est ça fait et que nous dans cas sin avec symptômes et dans cas où tu as une douleur ou bien tu as un sin avec symptômes, il y a plusieurs bagages que et mon n'a ka gagné, OK, qui va le faire nous rendre nous compte que li fait maladie. M'te dit première partie, gagne pile possibilité pour que mon n'a pas senti rien. Mon n'a pas senti rien, c'est parce que juste mon n'a allé l'hôpital et puis c'est parce que il était allé l'hôpital soit le font check et puis yo rendre compte que li gagne. Mais gagne des cas que oui et nous capable connaître et par rapport à sin et puis symptômes qui capable présenter. Par exemple, mon n'a rien droit. Yon nan sin que le capable gagner c'est saignement entre les règles. Ça que nous relé métrorragie, et bien sin ça par exemple métrorragie, saignement entre les règles. Et mon n'a senti que mon n'a apoué que li gen règle plusieurs fois, en pile fois mon n'a dit comme ça, ah m'gen règle moins et deux fois dans mois, trois fois dans mois. Normalement c'est pas règle que li gagne deux trois fois dans mois, vrai. Il était règle là une seule fois, mais qu'on y a là parce que gen des fibromes qui a développé li et vinn fait que le gen saignement fréquent. OK, li gen saignement et fréquent et puis mon n'a vinn penser c'est et règle que l'a gagné plusieurs fois, mais c'est pas vraiment règle, sinon c'est fibrome là qui fait que mon nan comme ça. En pile l'autre bagarre encore et gagné saignement abondant lors des menstruations. Ça tout et mon nan kon wè normalement il te kon gagné règle et que il te kon passé par jour yon a deux et serviettes hygiéniques et que il vinn wè l'el gagné règle qu'on y a c'est 4 5 6 et serviettes hygiéniques. Maladie ça capable expérimenter moins t'es gain et nan sin ak symptômes yo moins t'es parlé tout à l'heure des métrorragie c'est les que gain saignement entre règles et puis nous gagné tout ménorragie m'étais parlé de ça m'étais dit qui ça lié ménorragie lui-même c'est les que gagnent et saignement abondant lors des menstruations et que mon en tout cas une sensation de froid plus ou moins douloureuse et sensation de froid plus ou moins douloureuse dans petit bassin hein. Mon en cas gagne des envies d'uriner fréquentes, des capable gagne sensation d'une masse dans le ventre, constipation, des douleurs et dans rapport sexuel yo, tout ça c'est des de bagages que mon en cas expérimenter les que li gagnen et maladie ça qui c'est fibrome utérin qui donne plus de samso di yo comme des bagay moun nan capable senti, mais nan évolution maladie nous ta ka considérer comme des complications. Yon nan bagay ki ka fait docteur konnen tout et ça arrivé nan évolution moun et moun ki souffri fibrome lan kon vin anémie, c'est-à-dire vin gen anémie. Li gen anémie parce que fibrome yo c'est une bonne boule qui capte une quantité sang, OK, qui capte une quantité sang, c'est-à-dire sang ou gen nan corps et pour fille yo surtout qui entre 12 à 16 grammes, eh bien nan parler des valeurs normales yo, eh bien et fibrome yo qui c'est une bonne boule qui nourrit yo même de sang, eh bien yo capte une quantité là-dedans qui fait que quantité sang que ou vinn gen encore là li prend bon quantité vinn faire ou moun sa toujours expérimenter et de l'anémie ou bien en plus de ça moun nan ka vinn gen compression nan vessie pa blie m'te di nou lem te fait commencer et nan anatomie maladie et gen compression m'te di nou que vessie en blad pipi et utérus non bien matrice là c'est pas d'elle lié qu'on y a une fois que matrice là commence gros il y a possibilité pour le compresser et blad pipi en devant et bien la vie fait que mon a envie pipi rapide vite retourner mon envie pipi l'envie pipi. En plus de ça m'te dit nous tout était tout près et gros triplan qui c'est gagne partie là-dedans qui c'est rectum et bien il y a une constipation c'est là que ouais
et moun nan pa ka toilette et li di ou gen plusieurs jours pa toilette de bay kon sa. Et bien ça vinn fè c'est compression de rectum nan qui vinn fè que moun nan pa ka toilette. En plus de ça, nous avons gagné des douleurs pelviennes brutales, surtout les grandes torsions de fibromes. La torsion, c'est les que fibromes virées, parce que pas oublier son boule lié, son petit boule qui vient développer. S'il t'a viré, ok, soit n'importe quel organe dans la zone que t'as frotté avec le fait le virer, nous avons gagné gros douleurs en bas avant de faire mal, et que c'est une torsion de fibromes que t'as responsable de gros douleurs. Ça. Une autre bagarre encore, c'est infertilité. Si maintenant par exemple li ka vinn bay moun nan c'est l'infertilité yon nan bay ki ka responsable de infertilité ya. Et ça ka arrive chaque fois moun nan enceinte et chaque fois moun nan enceinte même si li vinn li enceinte et puis li vinn gen des fausses couches et répétitives parce que li gen des fibromes k ap développer on fois et fœtus nan li même li vinn là pour le développer tout et bien fibromes yo le plus souvent compressé et cordon ombilical là qu'on y a vinn fait que bébé n'a pas qu'à respirer ou bien t'a qu'à dire fœtus n'a pas qu'à respirer parce qu'il beaucoup fait pas qu'à li pas joindre oxygène li pas joindre sang pour que li bien développé puis il mourir comme ça mourir comme ça vinn fait que mon n'a qu'à vinn tomber dans l'infertilité vinn gagner des fausses couches et répéter comme ça tout si mon n'a t'était enceinte et que bébé a commencé grandir en dit plutôt fœtus là vient commencer grandir et bien le cas vient faire mon n'a fait un accouchement prématuré et comme ça tout mon n'a capable tout normalement j'aime te dire tout perdu lui parce que il pas développé et que et ça tout ça c'est des bagages qui viennent révéler que maladie a évolué l'a évolué des bagages qui ca et fait pour venir bay ti problème nan ka et de ça m'a parlé jodi an qui c'est fibrome utérus de l'utérus et diagnostic comment et médecin yo fait diagnostic et maladie ça jodi an a parlé a pas oublier m'te di nou c'est on maladie et excusez-moi silencieux asymptomatique en pile fois moun nan pas senti rien OK c'est li ka juste débarquer à l'OM médecin parce que il te besoin faire un check-up et puis nan bay faire sonographie ou vinn ouais que il gen des fibromes k ap grandi OK et nou ta ka di que et yon nan bay ka fait nou konnen c'est là qu'il commence gênant par exemple si li commence à bay snack symptôme sou parler tout à l'heure li fait mon anémie li et fait et gagner mon nan vinn gen difficulté pour la pipi vi retourner pour la pipi di bal constipation ou bien li tellement gros au point que li non seulement le compresser organe qui dans zone nan ou bien li a fait que la fait des fausses couches répétées ça yo si mon nan senti ça la fait que mon nan déjà connaît et debout pare tout dit ça au médecin capable médecin en pense automatiquement avec un fibrome mais si pas gain toute bagaille ça le plus souvent c'est des découvertes fortuites et qui compte fait ou bien l'en bay fait une sonographie par hasard ou bien un toucher vaginal OK de ça nous capable expérimenter ou bien toucher rectal capable expérimenter des masses dures, c'est les sortes à rendre compte que vraiment gombaï qui va marcher. Et j'aime te dire c'est lors des examens routine, c'est les ça nous en pile fois qu'on ouais que gagner et petit problème ça. Mais sinon, si pas gain pièce en rien, mon n'a doit faire en pile temps à vivre avec des fibromes et que li pas rendre compte. Et en plus de ça me dit là si que mon n'a pas de connaît si médecin font fait examen clinique pour lui par exemple il fait palpation abdominale il est capable et ça dépend s'il commence gros il capable expérimenter des masses dures et en bas ventre là ou bien dans l'hypogastrie et puis j'aime te dire tout à l'heure s'il fait un toucher vaginal ou bien rectal il est capable ouais une masse indolore et solide dans l'utérus là, les sal 40 ni compte vraiment gon bail qui pas marché. N'a continuer avec thème jodi hein, pas oublier n'a parlé de fibrome utérus de l'utérus ou bien fibrome utérin ou bien fibrome dans matrice, jan que en pile monde kon dit. Yon un examen clé qui fait nous connait
et non seulement localisation, forme, grosseur, quantité de fibromes qui gagnent, eh bien c'est l'échographie. Ça, nous connaissons les sonographies. C'est les mêmes, c'est là, c'est avec l'INAPCA et tout ça, me dit là. Quand ça tourne des examens pertinents que docteur qu'on va faire, tant qu'histéo histéographie, li nécessaire li même pour kawé aspect cavité utérine pour kawé qui fort qui déformation que fibrome nan capable provoquer en dedans utérus lan. OK, et surtout nous ka fait bilan ça nan cas de d'infertilité. Si moun nan à cause de ça li vin infertile, nous capable faire pour nous est-ce que c'est pas trop déformation ou bien trop dégâts que fibrome nan fait en dedans utérus lan qui fait ça. Ou capable faire moun nan fait tout yon hystéroscopie à l'aide d'une caméra qui peut rentrer en dedans utérus là, là tout avec ça, nous capable visualiser en dedans cavité utérine pour ouais exactement tout ça me se dit tout. Et puis tout a gagné des prises de sang qui fait surtout et pour mettre en évidence une anémie parce que nous connaissons qu'on gagne des saignements importants qui fait et laisse à la mettre en évidence anémie que mon avis gagné. Vin fait que nous capables et corroborer pour nous dire bon ok c'est tel bagage qui fait ça. En plus de ça, j'aime te dire à l'air, les que mon enceinte et que le fait fibrome, eh bien là gain possibilité à cause de grossesse là et grossesse là capable perdu, ok, parce que j'aime te dire gain en pile fibrome cap grandi, ça vient fait que non seulement tout le temps fibrome a augmenté volume yo, les ça yo laisse et la compresser et cordon ombilical là qu'après le fait que manquer gagner en quantité sancta pour rentrer pour nourrir et fœtus là il pas rentrer et vient fait que ou capable perdu non seulement bébé an, et ou capable perdu grossesse là qui a fait gagner des avortements tardifs. Donc on est tout avortement normal il doit fait dans premier 20 semaines, yo, et puis faut que les bébés n'aient pas mesuré plus que 500 grammes. C'est ça, nous étudions comme avortement. Mais dans le cas, ça lui-même, c'est parce que vingt une nécrose ou bien les que une tellement de compression dans le cordon, yo, vin fait que sans pas passer, eh bien, les vins pourri, les vins mourir. C'est ça qui est les nécroses là. Eh bien, c'est ça qui fait dans le cas ça, c'est pas un avortement classique ou un avortement normal. Bon, avortement pas un bail normal, mais c'est un avortement tardif qui vient fait à cause gain des fibromes qui a développé. Gain accouchement prématuré et tout, li ka fait que moun nan accouché prématurément parce que tellement yo gros. Et puis si vous suivez un médecin dit ouais tellement développé yo bébé a gain survie gain possibilité pour que tu perdu pour que il t'avine et mourir et bien vous fait accouchement prématurément pour capable sauver bébé et on nous continuer avec émission on t'ai parlé tout à l'heure de fibromes et grossesse mais qu'on est assis dans notre traitement qui traitement yo bay moun qui fait fibrome et bien yon nan bagay c'est que en pile fois gen pile moun ki vive a fibrome et que yo pat même konnen gen moun c'est juste les yo gon l'autre problème et yo ba yo fon sonographie yo vin wè que yo gen fibrome mais pourtant yo fait en pile temps yo fait quantité petite tout à de fait et que juste yo même entre dans ménopause yo pat même konnen si yo te fèl c'est-à-dire et gen pile en pile fibrome ki m'a même mandé pour que yo subi des traitements yo ta seulement gen pour yo surveiller yo. Yo ta gen des surveillances régulières et en pile fois pas même besoin prendre médicaments même parce que c'est ça qui gênant yo c'est même c'est ça qui vient gênant c'est même qui a besoin pour traiter yo vient gênant c'est là yo commencer bail des signes avec symptômes et par exemple s'il vient tellement gros au point que la compresser des organes qui dans zone ni qui près avec lui si il vient et bail en pile saignement en pile fois vient faire ou même river anémie si livin abao et vient fait que gagne constipation ou bien en pile l'autre bagarre encore là il commence gênant et bien c'est là ça nous pral envisager nous même pour nous faire traitement et que traitement qui gagne pour maladie ça gagne thérapie hormonale c'est-à-dire
bien que li capable provoquer par hormones, et bien gagner des hormones que nous kabao qui fait que li régresser, c'est-à-dire yo vinn pipiti ou bien de l'autre bagarre ou bien ou rete ou pas wè ou bien les que yo vinn tellement commencer gros et li vinn important pour que yo ta fait chirurgie là dedans, c'est-à-dire les ou pas gagner pour ta faire opération j'en nous konn di là le yo vinn tellement c'est tellement comment c'est tellement gros point que y a bay problème. Il y a plusieurs sortes d'opérations, yo ka font myomectomie, laisse à yo retirer fibrome là même ou bien fibromectomie, ça dépend de qui côté le télévé. Laisse à yo retirer boule là même masse là qui bay problème là qui te vinn fibrome là, laisse à yo retirer directement ou bien li capable et on hystérectomie partielle. Hystérectomie partielle là c'est là que yo retire yon partie dans fibre dans matrice là avec toute fibrome qui était là-dedans, yo li capable tellement gros, tellement adhérer avec utérus là au point que c'est en partie yo tout retire net là-dedans ou bien hystérectomie totale là même yo retire tout utérus là net ou bien yo quand même dit hystérectomie totale plus annexe yo, c'est-à-dire yo retire ni ovaire, yo retire ni trompe de Fallope ou vin wè et yo retire tout système reproducteur féminin parce que soit gagne fibrome yo tellement gros ou bien ta gon l'autre bagarre qui fait ça. Eh bien, il a retiré tout net dans l'opération. Songe des dernières fois m'était suivant hystérectomie. Songe les ça et pas de dernière fois, une fois l'aime t'app suivre. Son patiente qui était juste venu et c'était en République dominicaine, laisse en étude moi. Il était juste venu pour que lui accoucher. Il venu pour l'accoucher et là il fait sonographie, yo et que et gagne en pile fibrome, yo dit bon. Et Jean Lien, bien que son monde qui a gagné plusieurs petites déjà, c'est césarienne. Les noms allés césarienne commencer et depuis avant que ton ouais bébé mourit. Mais qu'on y avait tellement grand pile saignement au point que malgré n'a fait césarienne, n'a battu au moins qu'on y a pour nous fin fait césarienne qu'on y a même chaque fois fermé utérus li pa fermé tellement grand pile fibrome au point que yo obligé faire hystérectomie totale pour dame là côté que le pat même et peur te stressé là te dit césarienne qu'on y a même les rivé dans retirer toute matrice là côté que un monde qui retire toute matrice là pas gain pli pas enfanter encore. OK, on vient ouais et son bagage était venu pour bail simple, pourtant son bail est très compliqué qui vient rivé et ou capable passer dans en thérapie hormonale avec un hystérectomie totale et annexologie, c'est-à-dire retirer tout annexe surtout. C'est des bagarres comme ça qui arrivent les que gagne fibrome, c'est-à-dire c'est une maladie qui complexe les que ou pas et fait ça pour ta faire pour que ou traiter les. C'est un bagarre qui est très très compliqué. Continuer avec émission jodien, qu'on y a nous revenir au niveau côté que nous t'a parlé de prévention qui sont au café. Et qui sera fait pour t'éviter ça? Bon, et une bagaille nous ka fait c'est que l'important pour que nous gagnions activité sportive que nous fait qui fait que nous toujours en activité qui fait que nous pas emmagasiner en pile poids et l'important pile pour nous éviter le surpoids parce que ça c'est un facteur qui quand il faut que vous développez maladie ça là surtout pour mesdames on a parlé et que si vous mangez mieux ou manger mieux, manger en pile fibres, en pile légumes, en pile feuilles, ça ka fait que ou éviter et vin trop gros qui pral fait que ou vin gagner maladie ça. Et puis si on moun par exemple ou té gen kalte bagay nou pa ka éviter, c'est-à-dire bon nous déjà dans race noire, nous pa ka éviter et ça nous déjà race noire nous et l'âge là encore c'est des facteurs que nous pas ca modifier mais en agit surtout sur ça nous ca éviter sur ça nous ca modifier yo m'te parler de on activité sportive parce que li pas bon pour que ou rete et la caille ou bien pas jamais sortir ou pas jamais marcher ou bien si ou sortir ou toujours et soit dans machine soit sous moto ou pas jamais faire pièce activité qui fait que ou suer ou perdre graisse ou perdre poids. OK, li manqué bon
Et puis si que tu font hystérectomie par exemple, si tu étais fait opération parce que tu es malade là ou tu étais gagné nous faire opération, eh bien il gagne on cal tes charges qui lourdes, donc cal des bagages qui plus que 5 kg et de poids, faut que tu éviter les VO environ 3 premières semaines où tu fin faire opération ça, faut que éviter yo. Et puis tout faut que abstinent sexuellement pendant 6 semaines, c'est-à-dire un mois et demi si tu font hystérectomie. Et puis faut qu'on vigilant pile et que li pa sous déplacement en fait yo li pas bon pour qu'on fait des grands déplacements avant 2 semaines sur qui suivi et intervention ou sous faire. Et puis tout doit tendre et feu vert médecin ou pour que on reprenne activité sportive, par exemple si on fait des activités sportives faut tendre feu vert, c'est-à-dire faut qu'on en bonne santé, faut qu'on retourne en forme pour que enfin on retourne à faire des activités sportives ou bien de l'autre bagage. Nous retournons pour que nous concluions l'émission jeudi, hein, quoi de neuf doc. Moi, content pile pour que moi t'es là dans le studio, hein, pour que moi t'es présenté nos émissions par nous jeudi, hein, quoi de neuf doc. Nous t'as parlé d'un thème qui est très important. C'était les infections et c'était plutôt fibromes utérins. Nous t'as parlé jeudi, hein, nous t'es ouais, tout ça qui a fait que au vingt un fibromes. Ou bien tout ce qu'a fait ou l'éco déjà gagné, parce que c'est ça qui base émission, hein. C'est puis où qu'on est pour que ou conscient ou informé et l'éco ou souffre en maladie, qui ça qui bali, qui ça qui faut gagner et qui ça tout qu'a fait pour que nan mesure ou capable pour éviter ou vienne regagner encore, ou bien si ou gagne déjà, qui ça pour faire pour traiter, qui médecin pour être. Et il est très très important et pour et nous connaître ça. Nous t'ai parlé de engouillage ça qui fibrome là et que nous t'ai expliqué le tout. Et puis l'important est dans et prévention yo pour monde qui pour expérimenter pour que j'aime te dire nous actif, nous faire des activités sportives qui fait que nous toujours en activité pour éviter le surpoids, parce que ça yo c'est des facteurs qui ca vite fait que ou développer maladie. Gonba m besoin m'remédie que la prévention c'est le meilleur médicament. Pense que les non prévenir maladie ou le plus bon. D'ailleurs gon adage qui dit prévenir mieux vaut que guérir. C'est-à-dire l'important pile pour que nous agis dans sens ça pour que nous prévenir maladie, parce que prévenir les plus bon pour que ou prévenir tant que ou va gagner pour que ou fait guérison, parce que vraiment la coûte au plus cher et puis gan pile bagaille même qui arrive. Merci en pile à tous amis auditeurs qui étaient branchés radio, hein. Émission ça gon reprise et le dimanche 3h-5h, restez branchés radio Nouvelle Vision Chrétienne. C'était zanmi ou frère docteur Tebo qui était là pour présenter émission quad 9 doc jodi a. Merci bon, merci en pile. Que mon Dieu bénisse nous. C'est lui récolté. C'est pour ça.